Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Nous regardons sur cette période estivale 2024 pour juillet-août et nous regardons aujourd'hui pour nos amis Sagittaire en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis, on n'oublie pas, on garde son bon discernement, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagedefée@gmail.com. Un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps. Et bienvenue à nouveau, j'espère que la chaîne vous plaira et vous aidera à avancer. Je vous mets le nom des oracles et des tarots utilisés dans la description de la vidéo pour ceux qui le souhaitent. Allez, on commence tout de suite avec l'oracle des miroirs pour vous, mes amis Sagittaires, sur le plan sentimental. Qu'est-ce qui va se passer? Quels sont les messages que vous devez entendre sur cette période estivale? Ouh, que c'est beau! Vous êtes en train d'attirer à vous votre âme sœur. Vous êtes en train d'attirer à vous des moments magiques, des moments de bonheur, de joie, des moments de partage et de complicité avec une personne. Le miroir magnétique nous dit très clairement ici que vous vibrez l'amour à l'intérieur de vous, mes amis Sagittaires. Ok, alors attendez, je récupère mes cartes. Hop. Vous vibrez à l'intérieur de vous, mes amis Sagittaires, cette vibration de l'amour, cette vibration puissante. Et on me dit ici très clairement que quelqu'un vient à vous ou qu'il y a une évolution positive dans un couple, dans une vie sentimentale. Pour certains, on peut me dire ici que vous retrouvez un équilibre important suite à cette attraction, en fait, suite à ce que vous attirez et à ce que vous vibrez de l'intérieur. On me parle ici de réunions. Il va y avoir des pourparlers, il va y avoir ici des réunions peut-être familiales, amicales ou avec votre conjoint, votre famille, concernant des sujets importants. Je ressens ici une situation peut-être qui nécessite des communications, qui nécessite de discuter ensemble, de trouver des compromis et des accords. On me dit que sur le plan sentimental, il y a un changement important qui arrive à vous. Il y a des choses que vous avez traversées, des épreuves, des apprentissages importants. On me dit qu'il y a vraiment une roue qui est en train de tourner. Vous attirez à vous le meilleur, vous attirez à vous le positif ici, mes amis Sagittaires. Ce positif, ce tournant va nécessiter des discussions importantes, peut-être avec votre entourage ou avec des amis, de la famille, pour pouvoir acter les choses. Je ressens ici une officialisation, le fait de s'affirmer, de dire les choses, de faire comprendre aussi à son entourage certaines choses concernant votre vision de l'amour, votre vision de votre vie sentimentale. Je ressens ici un cadre important qui va être posé. Ok, on me dit que suite à ça, il y a un cadeau qui arrive. Ok, je comprends mieux. Des discussions qui vont arriver, un cadre qui va être posé concernant peut-être des trahisons. Soit des trahisons au niveau familial ou au niveau peut-être d'une relation du passé. Et on me dit que ces discussions vont vous permettre de débloquer quelque chose à l'intérieur de vous et d'activer cette roue du changement. On me parle du chakra de la gorge. Ici, il y a besoin d'exprimer, il y a besoin de parler, d'activer ce mouvement positif pour retrouver peut-être une certaine créativité, pour retrouver un plein potentiel, pour que vous puissiez être dans cet équilibre, cette harmonie, cette plénitude. Continuez, persévérez sur ce chemin ici, mes amis Sagittaires. On arrive tout droit à un aboutissement concernant une trahison. Pour d'autres, on me dit que cette trahison était un cadeau. Un cadeau déguisé, un cadeau ici qui au départ effectivement fait très mal, mais qui vous a permis de travailler sur vous, qui vous a permis de conscientiser ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez plus dans le terme relationnel, sentimental, avec votre partenaire ou tout simplement sur une nouvelle rencontre qui arrive. On me dit que ce changement acte un cadeau du ciel. Ce changement, cette trahison acte quelque chose qui doit vous être destiné. Comme si on vous avait pris quelque chose à un moment donné, comme si on vous avait volé de l'énergie, volé de l'amour et qu'à un moment donné, il est temps de récolter, de récupérer des énergies positives ici concernant votre vie sentimentale. Vous allez vers un changement heureux, un changement avec beaucoup de bonheur, d'accomplissement.
Vous actez cette situation, ok, afin de retrouver un renouveau. Un renouveau dans votre vie sentimentale pour aller vers le succès, pour aller vers la victoire. Pour aller tout simplement vers quelque chose qui vous convient, qui est en alignement avec vos valeurs, avec tout ce que vous vibrez à l'intérieur de vous. Moi, je ressens des Sagittaires ici qui portent l'amour, qui ont envie d'avancer dans cette vibration, dans cette énergie puissante que l'univers nous a doté. On nous montre ici avec la carte de l'enfant qu'il y a peut-être un déménagement, il y a peut-être ici un achat au niveau d'une maison. Je ressens quelque chose de nouveau, donc il y a peut-être un nouveau lieu de vie, un déménagement qui se fait, une séparation qui s'acte définitivement pour pouvoir acter ce changement et acter ce renouveau. Je ressens un ancrage important, une stabilité avec une remise en question sur le domaine sentimental. On me dit que les enfants ont peut-être un lien justement par rapport à ce changement. Est-ce que vous avez retrouvé peut-être une connexion, une discussion avec des enfants, avec vos propres enfants? Un changement ici qui vous permet de retrouver en tout cas des énergies beaucoup plus légères, beaucoup plus enfantine, beaucoup plus sans vous poser de questions, beaucoup moins lourde, vous voyez. Et ce changement va acter ce renouveau dans votre vie. On me parle d'une très très belle réussite à venir pour vous dans le domaine sentimental. On me parle même d'une main chanceuse. On me dit que l'opportunité va se présenter d'acter ce renouveau, de pouvoir parler, de pouvoir couper avec une trahison du passé, de guérir sur une blessure d'enfance. Il y a peut-être ici une trahison que vous avez vécue lors de votre enfance. C'est vraiment ce que je ressens, quelque chose de puissant. Quelque chose ici qui a été nécessaire, nécessaire à votre évolution, nécessaire à ce changement et à ce renouveau qui arrive à vous. Il est nécessaire aussi pour certains, très clairement, de prendre une décision, d'acter certaines choses, de dire, de discuter, d'extérioriser vos sentiments, d'exprimer ce que vous ressentez concernant cette trahison. La trahison est au centre du tirage. Pour moi ici, très clairement, il est nécessaire de la transmuter, de récupérer des énergies positives, de pouvoir la transformer en cadeau divin, parce que c'est à la base un cadeau divin. Parce que ça vous permet, vous, de vous changer, de vous aligner, de purifier vos énergies, de vous éloigner de ce qui n'est pas bon pour vous. Et sans cette trahison, vous n'auriez peut-être pas vu certaines choses, vous n'auriez peut-être pas conscientisé certaines choses. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui devait arriver. C'était écrit sur votre chemin de vie, sur le contrat que vous avez signé avant de vous incarner. Ce renouveau est une nécessité pour moi ici, très clairement pour vous mes amis Sagittaires, afin de vous aligner, afin d'être dans l'équilibre, la paix intérieure et l'harmonie. Pour certains, vous sortez peut-être d'une illusion au niveau sentimental parce que vous actez cette trahison. Et vous partez vers un renouveau qui sera beaucoup plus sain, avec beaucoup plus de satisfaction et d'aboutissement pour vous. Vous éliminez peut-être aussi des fausses croyances, des schémas répétitifs qui vous amenaient constamment à une trahison ou à cette sensation de trahison. Dans tous les cas, vous êtes sur une construction de votre vie, sur une stabilité à venir. Vous avez peut-être aussi besoin pour certains de repos, de calme, de retrouver une certaine légèreté à l'intérieur de vous. Il y a un changement positif ici, mais très clairement, mes amis Sagittaires, vous attirez ce changement à vous, de par vos propres énergies. Ok. On a le retour, l'hérédité et le travail. Bon, on est bien ici sur une phase de travail important, importante pour la continuité de votre vie. On me dit que ce travail va vous permettre d'actionner cette roue, d'actionner ce changement. Un travail qui est fait sur une trahison, sur une rancune, une rancœur, sur quelque chose qui a été compliqué à vivre pour vous, mes amis Sagittaires, par le passé, ou tout simplement par une trahison que vous venez d'acter. On me parle ici d'une construction au niveau famille, alors ça peut être aussi une trahison au niveau d'un membre de votre famille, ça peut être une trahison concernant le financier qui vous a touché de plein fouet. Parce que ce membre de la famille, je ressens que c'était quelqu'un en qui vous aviez confiance, quelqu'un qui était vraiment là pour vous accompagner, en tout cas pour vous. Et on me dit que ça peut avoir un lien avec la famille.
Pour d'autres, c'est du transgénérationnel aussi peut-être que vous portez depuis un certain temps et que c'est un cadeau parce que vous êtes là justement pour acter ce renouveau. Vous êtes là pour acter le fait de couper ce transgénérationnel et de repartir sur un nouveau cycle qui est important, sur un nouveau cycle qui sera complètement dans l'abondance. On a une réussite importante, on a un cadeau et on a un changement. De belles choses arrivent à vous. On nous parle ici d'un retour. Est-ce que cette trahison pour certains va être actée par le retour d'une personne dans votre vie? Est-ce que cette personne va revenir dans votre vie justement pour que vous puissiez conscientiser qu'il y avait une trahison, la transmuter, la travailler afin de partir vers un renouveau? Dans tous les cas, il y a soit un retour de situation, soit un retour d'une personne dans votre vie pour certains pour acter cette épreuve et cet apprentissage que vous devez traverser. Mes amis Sagittaires, restez en confiance, restez, ayez confiance au divin parce que derrière, il y a un cadeau qui se présente à vous, qui peut être une nouvelle rencontre, qui peut être une évolution positive au sein d'un couple ou tout simplement une évolution de vos propres énergies afin d'être dans cet équilibre et cette harmonie que vous recherchez tant. Ok. Bon. Allez, on continue. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel pour vous avec l'oracle de Monsieur Béline, mes amis Sagittaires, sur cette période estivale au niveau professionnel. Qu'est-ce que tu as à leur dire, Monsieur Béline? Ouh! On ressort avec les honneurs. Il y a quelque chose qui se réalise ici pour vous, mes amis Sagittaires. Beaucoup de bonheur, beaucoup de rayonnement. Vous allez briller dans votre domaine professionnel, dans votre création d'entreprise, dans cette envie d'avancer. Il y a les honneurs. Vous allez être couronné de succès concernant tout ce que vous avez entrepris, concernant ce projet que vous avez mis en place ou tout simplement cette avancée professionnelle parce que vous avez mis toute votre énergie dedans. Parce que vous avez eu ce courage peut-être de changer, ce courage de construire, ce courage de faire des choix aussi au niveau professionnel. Ce qui fait que vous ressortez avec les honneurs. C'est magnifique. On me dit qu'il y a un destin qui se met en place ici, qu'il y a beaucoup de spiritualité autour de vous. Vous faites des demandes, hein. Vous demandez à l'univers de vous éclairer la voie, de vous montrer le chemin, de vous montrer ce qui est bon et ce qui ne l'est pas au niveau professionnel, d'ouvrir une voie qui vous est destinée. Oh, j'en ai deux. Ok. On me parle ici de l'étoile de la femme, on me parle du hasard et on me parle du procès. Ok. On me dit que le divin est à l'œuvre ici et vous accompagne dans vos énergies en vous envoyant beaucoup de messages, beaucoup de synchronicité, en vous envoyant des énergies très positives afin que vous puissiez prendre une décision. Pour certains, il y a peut-être ici le retour sur un procès. Vous avez un retour positif. La mise en action peut-être ici d'un procès concernant une entreprise, concernant un emploi. On me dit en tout cas qu'il y a quelque chose qui est en mouvement positif. Il y a une célébration, donc il y a un retour positif. Très très positif, c'est vraiment ce que je ressens, c'est magnifique. On me dit avec l'étoile de la femme qu'il faut suivre vos intuitions, qu'il faut suivre votre guidance intérieure. Vous avez énormément de messages. Je ressentais beaucoup de spiritualité tout à l'heure, mais là c'est vraiment marqué. Ce sont des messages qui vous amènent vers la bonne voie, vers la bonne décision à prendre. On me dit qu'il y a un renouveau important ici, peut-être pour une énergie féminine. Ça peut être vous, ça peut être l'énergie pour qui vous regardez la guidance ou tout simplement l'énergie la plus proche de vous. Mais dans tous les cas, il y a un renouveau très stable. Il y a une création de projet, une création d'entreprise, un nouveau travail ici qui se présente à vous, peut-être une proposition. Vous avez postulé un poste, ici vous avez un retour positif. On m'annonce beaucoup de joie, hein, beaucoup de bonheur, beaucoup de partage dans le domaine professionnel. Mais c'est suite à des actions que vous avez mises en place. C'est suite aussi aux demandes peut-être que vous avez faites à l'univers. L'univers vous a entendu et vous a accompagné dans ce changement, dans cette transition, dans cette envie, dans ce nouveau projet, dans une nouvelle voie peut-être qui s'est présentée à vous. Ok, on a les plaisirs, on a le départ et on a le cloître. Vous partez d'une situation qui vous enfermait ici très clairement, mes amis Sagittaires. Vous partez d'une situation où vous n'avanciez pas. Il n'y avait pas d'évolution, il n'y avait pas de possibilité. Il y avait comme un enfermement,
peut-être dans un travail qui ne vous plaisait pas, mais vous restiez par sécurité, par peur. Vous décidez de suivre vos intuitions, de suivre ici peut-être une activité créatrice. Vous vous installez peut-être ici à votre compte pour pouvoir créer, faire de vos mains, prendre plaisir à travailler pour vous. Ou vous changez d'emploi, d'entreprise, vous postulez à quelque chose de nouveau. Vous postulez à quelque chose ici qui vous apportera beaucoup d'abondance, de plaisir intérieur, d'équilibre. On a plusieurs fois le chiffre 7. Hein. Je ressens vraiment un destin qui se met en place. Comme si vous vous étiez affirmé, comme s'il y avait des choses ici qui avaient été travaillées, car maintenant c'est « je fais ce que j'ai envie de faire ». Je me démène, je suis dans la détermination. J'ai envie de créer telle et telle chose, je vais faire en sorte de le faire. Voyez ? Cette énergie d'engouement, cette énergie du fou, cette énergie de « je suis capable de ». Une reprise d'estime, une reprise de confiance en soi qui avait peut-être été volée à un moment donné. Des énergies ici qui vous reviennent et qui vous avaient été volées à un moment donné. Pour pouvoir vous permettre de sortir de cet état d'emprisonnement, qu'il soit physique ou mental. De cet état où vous aviez l'impression de ne pas pouvoir aller voir ailleurs, ou que si vous démissionniez ou que si vous partiez de cette entreprise, vous risquiez peut-être d'y perdre encore beaucoup plus. Je sens ici un changement au niveau de votre façon de penser, de votre façon de faire, de voir. Et du coup, vous prenez des nouvelles décisions. Il y a une très très belle récupération d'énergie positive ici. Vous vous sentez mieux, vous vous sentez plus léger. Vous volez de vos propres ailes aussi, peut-être pour certains, en écoutant votre intuition, malgré vos peurs. Malgré peut-être la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas pouvoir mettre en place, ou la peur tout simplement du changement. Mais on me dit que c'est l'heure. C'est l'heure de prendre ce nouveau départ pour vous. C'est l'heure d'écouter votre intuition, mais de ressortir avec des honneurs ici, mes amis Sagittaires. Waouh, est-ce qu'il y a autre chose, s'il te plaît ? Pour mes amis Sagittaires, Monsieur Bénin, sur cette période estivale. Non ? Oh. Alors, on a le trafic, on a l'accident et on a les ennemis. Ok. Alors moi, je ressens ici une réussite importante. Une réussite importante avec un changement important qui s'opère dans votre vie professionnelle parce que vous avez acquis beaucoup de sagesse, parce que vous avez pris des décisions avec sagesse pour votre bien-être, en vous priorisant. Effectivement, cela peut créer un petit peu de jalousie autour de vous. On me dit qu'il y a du monde autour de vous, qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément en accord avec ce changement, qui essaieront peut-être de vous en dissuader en vous expliquant que vous n'allez pas y arriver. Mais on me dit que cette transformation, cet effondrement peut-être au niveau de votre vie, ce changement qui est très important pour certains de mes amis Sagittaires, vous permettra très clairement d'aller vers la réussite. Parce que je ressens un projet qui est étudié, hein, qui est fait avec du cœur, qui est fait avec de la volonté. Je ressens ici vraiment beaucoup d'énergie d'avancement, de croissance, de positif. Comme si vous aviez vraiment récupéré quelque chose de très fort, de très sincère, et qu'aujourd'hui vous ne vous laissez plus justement manipuler par ces personnes-là. Vous ne vous laissez plus manipuler dans vos idées, dans vos décisions, dans ce que vous devez faire. Et vous, de vous-même, vous accédez à cette transformation. De vous-même, vous accédez peut-être aussi à une déconstruction de votre vie professionnelle pour pouvoir accéder à quelque chose de plus grand. Quelque chose avec beaucoup plus de puissance, de force. Je ressens ici vraiment un décloisonnement important de votre manière de penser et ainsi de le manifester dans votre vie. Et vous allez tout droit vers les honneurs, vers la réussite et vers beaucoup de sagesse. Ok, bien mes amis Sagittaires, dites donc. Un très bel été se profile à l'horizon pour vous. Allez, on continue. On va terminer maintenant avec un message des relations harmonieuses pour vous, mes amis Sagittaires, sur cette période estivale. Merci. Cultivez vos amitiés. Effectivement, vous êtes sur une phase de renouveau peut-être très importante. Et on me dit ici que vous êtes entouré de personnes qui peuvent vous accompagner, qui peuvent vous aider dans cette transformation, qui peuvent vous amener énormément
de positif, énormément peut-être aussi de conseils. Cultivez ces amitiés, gardez les bonnes personnes autour de vous afin d'être accompagné au mieux. Purifiez les énergies pour que vos ennemis puissent partir et gardez les bonnes personnes. Ce changement va aussi peut-être par la force des choses purifier certaines personnes autour de vous dans le sens où des personnes vont peut-être s'éloigner de vous. Dans tous les cas, les amis, il y a un renouveau important et vous êtes accompagnés autant par le monde divin que par vos amis dans ce changement. Mes amis Sagittaires, un grand merci pour votre écoute. Merci au guide pour ces très beaux messages. On vous souhaite un très très bel été. À bientôt. Au revoir.